Bonjour, bandekonyo subazo landa moi namboka Trésor Lombo, votre communicateur en direct ya Basangwa Congo. Bipai nyo subino bozwami na mboka bapaya na kacha ba province na biso na ville Kinshasa vraiment merci mingi. Merci vraiment ndenge tozali en direct na bino na kacha Basangwa Congo pour na kopesa bino information réelle à ce moment qu'est-ce qui se passe en République démocratique du Congo. Nde yangwana tozali en direct à ya Sangwa Congo. Parce que vous avez dit que vous avez en costume pour que vous avez décision, les trois grandes décisions du président de la République après la démission du premier ministre Ilunkamba. Vous avez dit que vous avez pour après que vous avez dit que vous avez dit pasteur Gili, ba Yokason, ba président René, ba président Gilles, tout le monde a dit que vous avez commémoré le 4e anniversaire, je crois, de la disparition. Voilà, nous avons le 1er février, nous avons eu le 1er février. Après l'émission, nous avons eu le 1er février. 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 Nous avons eu le Oya ke kukufi la na Belgique mboka bapaya. Pone intera peple kongole. Oyo lelo nga imo na mboka Trésor Lombo na sengi na président de la République. Komini ya limete. Eza la na kombo ya tchenti segedi wa Mulumba. Baluka boulevard moko ya munene. Bape sango na kombo ya tchenti segedi wa Mulumba. Visa lit oya lite. Pe akena sa mabele po. Abeli malariate po. A nyo kwa mi soki na maladi songolo pagalate. Me akena mabele. Pona kuwele la intera ya peple kongole. Alors les lots, ils allaient anniversaire et à disparition là et les besoins on a tongo tous allaient na Basangwa Congo pour après avoir tous ceux qui l'enseignent bon moi on a bisho en live na Yoka Base TV na Basangwa ya Congo na Bayeba TV pour Roland na bisho na bashenot tous les gars d'habitude n'ayez tous ceux qui l'enseignent tous ceux qui n'assiègent vraiment condoléances na Ngaimoko en tant que combattant de l'IDPS condoléances na maman Marthe Kasalu na ba combattant nous sommes allés là partout n'ayez tous bungi ça vraiment super héros national Etienne Tshisekedi wa Mulumba. Et la mort d'Etienne Tshisekedi, tu peux regretter en haute. La mort d'Etienne Tshisekedi est égale à la délivrance de la République démocratique du Congo. La disparition d'Etienne Tshisekedi est égale à Félix Tshisekedi, chef de l'État. La disparition d'Etienne Tshisekedi est égale à Félix Tshisekedi, chef de l'État, pour tout instaurer état des droits, tout instaurer une justice équitable, tout ça la démocratie, tout ça social, na peuple congolais. Nzambe à Lola. Ma bela bako kona biso le docteur Etienne Tshisekedi wa Mulumba ezala douce pour nayo vraiment moni mona place kenda et pemia na kimia makasi voilà tokota na sije na biso les trois grandes décisions du président Félix Tshisekedi après la démission du premier ministre Ilunkamba nde yangwana tolingi to solo la nabino na tonga lelo yango te tokende na muzole tokende ko kanisa Etienne Tshisekedi wa Mulumba nde na yemba parce que tengo za la te journée mobimba to legisango kuna alors na yena lomba otota sabino les trois grandes décisions du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Lombo après la démission du premier ministre Ilunkamba. Quelles sont les décisions où le président de la République a joué? Voilà, première décision, il y a le président de la République a joué et ali aucun ministre du gouvernement Ilunkamba otozo benga communément. Le gouvernement démissionnaire ne peut pas quitter le pays à ce moment. Banda Ilunkamba, parce que le gouvernement moko démissionnaire, première décision est président de la République, oyo a instruire na directeur ya cabinet na ye, papa Nabiso Gile Nyembo, o azape combattant makasi, instruction à Liboso, et ali pona ko informer gouvernement démissionnaire à Ilunkamba que banda Ilunkamba est moko ni premier ministre vice-premier ministre, ministre d'État, ministre, vice-ministre, on nous a sali membre du gouvernement, il y a Ilunkamba étant démissionnaire, mokota koiko kima, kobima libanda mboka na moko, na moma oyo, mokota koiko bima. Pourquoi? Décision président de la République a joué, parce que na kacha gouvernement Ilunkamba, banda premier ministre et moko, et zana bateau barozala arrêté, na ba détournement, loko la biso toko tanga kombo ba wili ba konga, oyo ba blokaki. Gratuité et enseignement par le président de la République en créant de nouvelles écoles fictives. Voilà. Et ça n'a pas été le bas. C'est la boule. Et le Seigneur Libabi Malibanda Mbokate, qui est l'actuel ministre de la Justice, vit
bambongo ndenge bango babi misaka ya kufuta kabila $680,000 par mois en attendant le président de la République azalaki na ba retard ya ba mois oyo ye moko déjà apesi ilunka mana ba information tozana ngo mbongo ya sorti ya gouvernement mbongo ya yo babenga babenga mbongo ngoni mbongo boy ndenge azal démissionnaire boy mbongo ba pesa ya suka wana so ba des comptes final ba terme so ba benga ka déjà ba mbongo ba liko bima ya ye na premier ministre naye alors le président de la République lokola zo lité pour l'intérêt ya peuple congolais sans haine sans jalousie sans intention auto kendo kansana intention mabe na mutoloko la ministre pour quelle raison nde ya mwana a instruire les directeurs du cabinet aucun membre du gouvernement ilunkamba étant donné que démissionnaire en commençant de lui-même a ko bima libanda mboka. Donc on les a première décision à chef de l'État après après démission il y a ilunkamba pe nomination il y a Guilain Niembo comme directeur à cabinet décision liboso bazui ya mwana ministre moko a ko bimate yo oza ministre Ozali vice-ministre, Ozali ministre d'État, Ozali vice-premier ministre, Ozali premier ministre. Bolandi déjà instruction, mutu moko matoi mangongi mabe, mutu moko te abima libanda ya mboka na moma oyo, eko salema. Jusqu'à ce que président de la République d'ici là les 3, les 5, tozo bimisa ba premier ministre, na ba membre du gouvernement, tango bako kende ko sala passation pacifique, na ba membre du gouvernement entra à ce moment-là de ministre oyo azana ba greffe te ayiba ki mbonga l'état te asala ki mabete ya koiko bima libanda mboka mais pour le moment mutu moko ta koiko bima libanda mboka banda ilunkamba na ba membre ya ministre na ye. Deuxième décision du président de la République ezali le président de la République demande à l'inspection générale des finances d'auditer les membres du gouvernement sortant en présence des membres du gouvernement entrant. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, vu le détournement en grande échelle et salémi dans le gouvernement Ilunkamba, vu tout ce qui s'est passé, le président de la République maintenant a instruit l'inspecteur général des finances va auditer tout membre du gouvernement. Cet audit-là va commencer à partir de lui-même, le premier ministre. Va auditer le premier ministre. Bazeli ko auditer les vice-premier ministre, bazeli ko auditer les ministres d'État, bazeli ko auditer les ministres et les vice-ministres. Mais audit ango e ko banda ko salema nini parmi ba décision au président de la République azui. Audit ango e banda ko salema il y a un ministre sortant, il y a gouvernement entrant en présence du gouvernement, du ministre entrant et du ministre sortant. Ministre sortant, azali ministre o ba uchi ko démissionner na gouvernement Ilunkamba. Ministre entrant, azali ministre o akoya na premier ministre o Félix Tshisekedi a renommé. À ce moment, dans le moment passation pacifique, on a bien inspecteur des finances. Bako kitaba audité chaque membre du gouvernement, na présence ya yemoko en tant que démissionnaire, na muninga na ya kokota. Place au ba greffe gozala. En tout cas, mbala moko, inspection générale, basa la rapport, na ministre entra, pour être ba luka moyen, ba même bango na niveau ya justice. Tala intelligence, ya président Félix Tshisekedi. Nga na yebisaka bandeko dès le début déjà. Félix Tshisekedi, c'est un Socrate. Félix Tshisekedi a dirigé une intelligence scientifique. Mais le président Félix Tshisekedi est en train de diriger le pays avec plein d'amour, plein d'esprit saint, mais par l'intelligence et la sagesse du Tout-Puissant, on appelle ça la Salomon. Parce que personne, même il y avait même quelques combattants de l'IDPS, à courant qui ont demandé le président de la République à ce qu'il est dans Mboka. Bah mususu bah l'anda qui bah malo bah Martin Fayulu bah zako ganga benjir inutile ok intelligence na sagesse au président Félix Tshisekedi azana ngo ezali pona kotonga mboka ezali pona ko éviter bah te bela comprendre que langage au président de la République le bagi par exemple au nom du développement pour te toquer des libos surtout à la fitire ya bana na biso je ne peux pas fouiner les passés bah tu vas comprendre que te awa makambo bah ko sala oyo hein mutu ministre moko ya gouvernement Ilunkamba abimate. Et dans le moment où l'inspection générale finance a déjà instruction, on va auditer la deuxième décision du président de la République, on va auditer les membres du gouvernement sortant, c'est-à-dire le gouvernement Ilunkamba, la présence des membres du gouvernement entrant au président de la République à renommer le nouveau premier ministre. Alors, bonsoir, mon attaque, ils ont déjà fouillé les passés, personne ne sera arrêté. Na kacha bato ba auditer ma case, c'est le ministre Sele ya Lagoli, ya finance. Ba détournement de ba détournement. Hein? Bambo nous se zako kota na ba DGDA. Bambo nous se zako kota na ba contribution na ba ba société de recettes. Ozo koti sa mon na l'état congolais belé. To ko dite nani Willy Bakonga na sele ya la wuli. Wana isa bato mi balenga na moni nan.
concernant le président de la République. Par exemple, le ministre des Finances, monsieur l'inspecteur général des Finances, na audit pour ça, peut vous dire un rapport. Le par exemple, bah juge, na information mais surtout en haut, bah tout bah qu'on travaille na cour de cassation, bah magistrat, oh bah nomme, bah ça qui nomme na cour de cassation, na bah procureur na bah na le monde le que ministre c'est lui à la gouli. Na information biso tozui akotia ba koka jam ke ba mo na bango bimate ba frais d'installation bazwa ngote alors na moment wana audit tango ko sale ma peuple congolais bo ko comprendre qui est président Félix Tshisekedi bo ko comprendre qui est le président Félix Tshisekedi. Félix Tshisekedi est en train de travailler na moment chaque fois na répétaka muto nyonso akoboya président Félix Tshisekedi awa soit aza un homme inconscient, une femme inconsciente, ou soit aza étranger. D'ailleurs notre pays est infiltré par beaucoup d'étrangers. Alors nous sommes obligés partout dans le monde entier, bande de nous voisins l'andabisho. Vu ma camion zamba personne n'a pas déjà fait les tissages. Pour être mort l'andabisho qui est délibéré. Dans cela ma prière, dans cela ma bonne déli et singulier tout prier pour la présence l'andabisho mboke qui est délibéré. Donc dans le bel déjà trois grandes décisions du président Félix Tshisekedi après la démission du premier ministre na lubaki ya liboso ezala ki aucun ministre du gouvernement il n'a pas droit quitter le pays à ce moment. Deuxième décision, président de la République oyo asengi na IGF audité ba membre ya gouvernement il n'a pas comme ba un gouvernement démissionnaire mais na présence ya ba membre du gouvernement entra. C'est-à-dire le président de la République va nommer le premier ministre ainsi que les membres du gouvernement d'ici là, mais audit wana et salement entre ba membres du gouvernement il n'ont pas sortant na ba membres du gouvernement entra au président de la République a nommé incessamment. Et troisième grande décision il y a président de la République. La troisième décision ils allient maintenant aucun engagement au ministre engagé mutu au ministre apesi musala na mutu. Na moment où ça limité parce que na moment où escroquerie et à la kebele ko bimisa bambongo bia debele mbongo e ko bima na ba membre selon la décision du président de la République na ba membre du gouvernement sortant ils ali ka mbongo o ya ko futa ba personnel bazo travail ndenge bima na mbongo l'état oh frais de fonctionnement oh mbongo ko déplacement et ça interdit ko bima te jusqu'à la nouvelle ordre wana ezali ba décision ya président de la République. Voilà pour na okende na deuxième point na biso campagne électorale déjà ici et bandi et pour na bureau ya définitif ya Assemblée nationale classification nango déjà Salemi papa na biso Mboso Nkodia na au nom de l'informateur au nom de la coalition Union Sacrée le président de la République Amonaki bon ya kobimisa papa Mboso Nkodia comme président. Il y a Assemblée nationale, il y a bureau définitif. Alors, deuxième point, on te l'a parce que biso to ça communicateur nous sommes là, ba te belé ba pesa confiance ba ba réalité ni nezo pesa na mboka. Ba te belé peut-être ba bengi nga peut-être. Ba te belé ba bengi, ba luka ba ba pourquoi choix ya Mboso Nkodia comme président, il y a bureau définitif et Assemblée nationale. En attendant na rapport il y a informateur oyo a pas espèce qui na président de la République pour la nouvelle majorité, o to zo benga bongo Union Sacrée et AFDC Azalaki na premier parti qui a beaucoup plus de députés. Après AFDC, Azalaki bongo IDPS. Alors batebele bakanisa ki lokola IDPS sans balier tozali au-delà 30 députés, AFDC avec balier ezali na ba 40 députés. Alors selon l'analyse à batumusu ba pensa ki bureau Assemblée nationale et koya na Jean-Marc Kabunda Kabunda. Eze loka malamu parce que biso peto lobela ki Jean-Marc azana ba compétence, Jean-Marc c'est un homme intègre na profiter na occasion na sanga ba députés nous balanda kabiso. En tant que votre communicateur, tous en apportant Jean-Marc Kabunda Kabunda abimana plus de 80% à voix pour n'arrêter sa peuple congolais le changement au sein du bureau définitif c'est aussi Jean-Marc Kabunda Kabunda 520 gigas. Mais choix il y a Jean-Marc Kabunda na premier vice-président Assemblée nationale pourquoi? Puis choix Mboso Nkodia pourquoi? Aux hommes on a les lois et leur détruire peut perdre na Kabila et ça gourmandisme politique. Kabila lingi kaka kozwa président de la République Assemblée nationale batunaye nyoso batunaye OK lito biso to sale IDPS atabiso babe chole bagili bayokason to banina musalate mais lito biso ezali ki kaka biso to salate lito na biso ezali pour la liberté d'expression lito na biso ezali pour la restauration d'un état de droit lito na biso ezali pour les données du travail aux Congolais tous les Congolais mais babosa ni biso te biso nyoso to travailler ezali façon à expliquer peuple congolais impact et alité ya IDPS alors to mona ki bon. Na moment où il n'a pas démissionné, parce que démission est il n'a pas, et ça lui non événement. Na moment où il n'a pas démissionné, à quel point on a rapport, na Kinga Kati et pas Joseph Kabila,
na Kashama, soki Kashamantara, soki wapi na Lubumbashi, mais il unani mboso kodi ape azaki appel à Kabila pour t'akende kuna pas compliqué président de la République. Et le président de la République à ce moment toi na pensa ba français milaïté, toi na pensa le belavi sur ba discours à milaïté. Na moment le président de la République a beaucoup plus de résultats. Alors sérieux à papa mboso kodi a oya boyi et appel à Joseph Kabila, on a travaillé dans la sérénité. Nous, président Lobique, non, c'est bon. Nous avons besoin des hommes intègres comme ça. Le passé, c'est le passé. Né Yangwana a vu poste à président et assemblée nationale. Jean-Marc Kabundo, poste à premier vice-président et assemblée nationale. Tous autres dans le monde entier, même dans la communauté internationale. Que IDPS au pouvoir, à qui n'a pas le pouvoir, à qui n'a pas bon sa IDPS, à qui n'a pas bon sa vie à combattre. Mais IDPS au pouvoir, et qui n'a pas bon sa vie à Congolais, nous, né Yangwana, mon réseau, tout ça dit non. Mboso c'est dibandundu si. Mboso encore c'est dibandundu na je crois que balobi ke muyaka na équilibre national ya partage à pouvoir parce que quota national est contact. Tokozo gouvernement nyo soto pesi bakatangi bakatangete. Tokozo gouvernement nyo soto pesi batabandundu batabandundu te. Tokozo gouvernement nyo so assemblée nationale nyo so topesa batabandundu batabandundu te. Na quota national totali boye boye nyembo katanga bo directeur cabinet nyo so na e contact na politique et vos apaisements n'y a rien. Vraiment merci na bandeirona sur balanda qui bissoit en direct. Merci na bandeirona sur basse na mon amboka. Trésor Lumbo, votre communicateur. Et zala qui depuis na bissoit ton ligato soit na bino lelo na ba décision au président de la République ya makasi abandi kozwa après démission ya yunkamba otoloba kibongo ministre moko kobima libanda ya mboka te na moment où jusqu'à ce que nouveau gouvernement kobima basa la passation pacifique du pouvoir na bango remise et reprise plutôt. Deuxièmement Asengi na décision mokozamboka asengi na IGF ba audité ba membre du gouvernement sortant, c'est-à-dire ba membre du gouvernement ilunkamba, mais na présence ya ba membre du gouvernement entra dès que gouvernement ko bima ba audité bango parce que makambo za minene. Et enfin babo ba nomination na kacha ba ministère ba engagement ba sortir ba mbongo inutile jusqu'à la nouvelle ordre ndé asuka to shitaki na bureau ya assemblée nationale. Zambe alola pambo la bino, merci pour na ba soutien ndé bosuka biso awa direction na bande ko gili baza déjà libanda wana nsele na ba yokason ba président parlement de bounyo so ini to kensele. Zambe apambo la bino botika la malamu a tout à l'heure. Eshima, votre magazine qui bat au rythme de l'actualité. Une réponse à vos besoins en information, un éclairage dans divers domaines. Impartial, documenté, instructif. Eshima, au cœur de l'info. Retrouvez la nouvelle édition. Exclusivité. Le professeur Willy Kitobo Samsoni maîtrise le secteur des mines et gagne le pari de la mobilisation des recettes publiques. Désormais membre de Cobalt Action Partnership, le ministre congolais des Mines a abattu un grand travail dans sa sphère. Contrôle régulier de l'application effective du nouveau code minier, loi sur la sous-traitance et paiement de la rétrocession due aux entités territoriales décentralisées, ouverture et attractivité du secteur des mines aux investisseurs, relance des entreprises du portefeuille de l'État, le ministre Willy Kitobo assure le suivi et contrôle technique des activités minières sur toute l'étendue de la RDC. Focus, augmentation de 66% des recettes, le directeur général des impôts Barnabé Mwakadi Mwamba, en technicien avéré, impulse les performances de la DGI. Dossier Eshima 2021, année de tous les enjeux. Nation, Hubert Mihimi Mouawa, directeur général de la Sona Hydroc, présente ses vœux de nouvel an au président de la République. SU, la rétrospective 2019-2020 du ministre Thomas Luaka, un mandat placé sous le thème du redressement du système éducatif du supérieur. Agence de prévention et de lutte contre la corruption, un casting à refaire. Économie, Eshima Magazine revient sur les commerces générationnels en RDC. Retrouvez l'intégralité du magazine Eshima dans les kiosques. Eshima Magazine, un nouveau standard d'information.